Alter Radio, l'IFE. 7 heures. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour aller plus loin. Dîner pas à travail chaque jour pipis. Pour qu'on joigne plus bon service tout partout dans tout pays. Poté collé, payer bon droit de l'eau nous aller et puis poser. C'était un message d'INEPA à toute partenaire. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Flash. Coup de flash. Sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que le peuple a gagné. Le Pérou a gagné. Les rêves de milliers et de milliers de Péruviens ont gagné. Bienvenue dans magazine Événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org à diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Haïti pas sorti dans loup la presse internationale quitte c'est pour dernier information qui apparaît dans pays a depuis la mort ancien président de facto Jovenel Moïse 7 juillet passé. Quitte c'est pour analyse sous situation crise pays a plongé la dernière qui capable gagner conséquences graves en pile dans temps cap vinio. N'a fait yon rite sous yon article Amy Willens, rédacteur en chef journal chaque semaine The Nation dans États-Unis qui analysait assassinat ensemble avec conséquences politiques li, tandis que dans Canada, c'est médias qui fait enquête yorele 7 jours sur la terre qui développait yon gros analyse sous contexte historique et politique qui entourait assassinat Jovenel Moïse là. Journaliste Michel Tremblay insisté sous rôle la France ak CIA ta genye nan crise ki brase bil Haïti pendant an pil ani. Nan Amerik Latine nan, se Pérou ki ouve yon lot page nan l'histoire li avèk président la gauche Pedro Castillo, autorité électorale yo finalement déclaré se li ki remporte élection yo apre yon mwa rival li Keiko Fujimori fè ap conteste résultat yo. Epi nan Guatemala, se procureur Juan Francisco Sandoval ki blije kite peyi a apre li fin jwen revokasyon, se principal juj ki tap mene anket sou kisyon korupsyon nan Guatemala kote skandal eklate ale pou vini, epi kote tou nan yon bon gro zotobre ap site nan zak korupsyon. Chers compatriotes, j'ai le cœur ouvert pour chacun d'entre vous. Pigou bagay haïtien yoka atan de premier ministre ki monte an Ariel Henry, c'est que administration lan te ka yon etap tre bref nan seri de transisyon pou ale ver yon veritab demokrasi
en Haïti. C'est ça Amy Willens écrit dans article qui sorti dans The Nation. C'est un journal prestigieux dans États-Unis qui fondé depuis 1865, qui a tendance la gauche et qui gagnait une série de auteurs très importants qui écrit la donne, tant que linguiste Noam Chomsky, gain tout pasteur Martin Luther King qui était qu'on écrit dans The Nation, même gens avec écrivain prix Nobel Toni Morrison qui quittait nous déjà. Alors Amy Willens qui écrit plusieurs livres sous Haïti fait qu'on est que premier ministre désigné Ariel Henry participait dans cérémonie qui fait en l'honneur ancien président de facto en Jovenel Moïse, deux semaines passées déjà depuis le yo assassiné Jovenel Moïse l'an chanm a couché le même dans résidence privée li. Ariel Henry c'est un néo-chirurgien et un ministre qui passait de la droite vers la gauche modérée et puis qui sautille en gauche modérée qui tournait à droite. Nous toujours appelé article Amy Willensland. Yo installé monsieur dans une longue série de dirigeants par intérim que yo oubliait facilement en Haïti. Veuve Jovenel Moïse, la Martine Moïse, li mèm ki ta blese grièvement nan atak ki te fèt sou Marilan, ebyen li soti l'hôpital Miami, li vini, el partisipe nan sérémonie ki ta fèt en l'honneur Marili, e gen de rumeur ki apè de kouri ki vle fè kouè ke Maril te vle apre manda pal la pou li mèm li te al kandida a la prezidans. Pendan ke map ekri Mosayo, se Amy Willens ki ap pale, mwen toujou pa rive kwen ke yo tue Jovenel Moïse konsa de manyan spektakuler e nan un kadou osi intime, cela ve di nan chanm la Kaeli, piske li di li pase devan Kaelan, kote li situe, li wè telman de sekurite, genyen gwo mur, e pi probableman kapab gen kamera tou, e li di lo ap pase mem lan machin devan Kaelan ou un peu pa mem vle gade telman ou e genyen sekurite. Ou pense ke moun sa yo se moun serye ke yo ye. Poutan, ki kote yo te ye lan nuit kote zak la rive a? Se kistyon ke Amy Willens pose. Li rappele ke Jovenel Moïse te rele moun ki responsab sekurite li, gwo otorite nan peyi al, te rele yo al ed, pou di mwen bezwen ed nou kounye an vini vit, vin sove la vim, e pat genyen anken aksyon ki fet. Petet ke anketè haïtien yo ansanm avèk FBI kapab rive identifiye moun ki te apuyye sou gachèt la, men rive jwen moun ki ordone ou fè sa, sa la pi difisil, surtout si la polis ou bien lot mam lan ekip anket lan ta implike dapre Amy Willens. Li pale tout de batay politik ki ouvri semen apre Jovenel Moïse fin mouri ansasine an e li repete ke Haïti, ebyen, kestyon prezidans lan, se yon afer ke liye son biznis, se pa veritableman yon devoir, yon obligasyon. Donk, le wap pale de prezidans, wap pale de profi, se pa de gouvernans wap pale dapre Amy Willens toujou. Li di ke prezidans lan, dapre li, bay posibilite pou genyen kontra, pou genyen akse ou por, pou genyen de bien gouvernemento ko kapab fe zanmi yon kado, fami yon tou, men tou, toujou dapre Amy Willens, prezidans lan li danjwe, sutou si ou ta vle pase sou ansyen zanmi yon, ansyen vie zanmi yon, e lansan sa ou riske pou pedu tout bagay, menm la vi ou, se sa jounalist la ekri, li menm ki panse ke lan flou sa ki genyen, lan mister ki genyen, ou ta gen doa chèche auteur intelektuel krim nan bokote trafikan drog ki afilye a certain kartel dapre Amy Willens lan The Nation.
Amy Willens vini sous question stabilité qui paraît avec gouvernement qui montait un, puisque d'après lui, c'est ça que Washington a cherché, et l'instabilité ça, moun qui était occupé poste clé, le gouvernement Jovenel Moïse t'est gagné par intérim, eh bien, il continuait qu'un même poste, le gouvernement que Ariel Henry vint monter en, les cités non ancien premier ministre par intérim Claude Joseph, qui en tant que tel t'es chef CSPN, Conseil supérieur police nationale, là, l'est toujours là, et puis les cités tout ministre justice, là, Wopfeller Vincent, qui, en tant que tel, toujours membre CSPN, CSPN que liwe, comme pi haut instance sécurité nan pays d'Haïti. Pou Amy Willens, personne pa kanye ke communauté internationale la, c'est un acteur majeur nan politique pays d'Haïti, mais en même temps, li noté des démarches qui a fait souterrain, notamment avec commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, eh bien, li dit que c'est youn nan côté pou moun chercher démarche changement qui a fait dans pays d'Haïti, li relevé sa programme commission sa proposé, programme qui clair d'après sa journaliste lundi avec premier élément la donne justice pour tout moun qui mouri pendant présidence Jovenel Moïse là et moun qui mouri tout pendant présidence Michel Martelly qui était là avant et puis en même temps pour arrêter et poursuivre tout moun qui responsable attentat qui était fait contre Jovenel Moïse ensemble avec Madame Ni. Deuxièmement, yo mande tout justice nan diferent skandal korupsyon ki frape PIA, surtout avec affaire Petro-Caribé, et puis pour gagner sécurité dans la rue, désarmement, ensemble avec réinsertion membre gang nan société haïtienne. Commentaire Amy Willens, peut-être demande sa yo programme sa capable fait Washington peu. C'est yon article qui paraît, je nous dis, dans The Nation, nous relevez quelques éléments là-dedans pour vous. Tandis que en Canada, c'est Média qui fait enquête, y aurait les 7 jours sur la Terre, qui développait yon gros analyse sous contexte historique et politique qui entourait l'assassinat de Jovenel Moïse. Journaliste Michel Tremblay insistait sous rôle la France et CIA ta gagnen nan kriz kap brase bil Haïti pendant an pil ane. Yon ekstrait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe toute une foule de raisons pour lesquelles Moïse pouvait être visé par un assassinat. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour qu'un coup d'État soit mené, il faut d'abord l'organiser. C'est pas comme si c'était une mince affaire. Comment faire pour tuer un chef d'État dans le plus grand secret et s'en sortir indemne? Pensons un peu à la logistique considérable que ça exige. Il faut absolument tout savoir sur la cible, sur la manière de l'éliminer. Il faut des personnes qui sont capables d'organiser ce genre d'opération. Mais aussi, il faut des personnes capables de l'exécuter. Il faut se trouver des complices, de l'équipement. Il faut prévoir un moyen de sortie. Et surtout, il faut du financement. Beaucoup de financement. Bref, organiser un coup d'État, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Il faut une motivation, de la préparation, du temps et beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce qui serait exactement ça? Un coup d'État. Mais dans ce cas, qui l'a commandité? Et pourquoi? Rejoins le scénario pour mieux comprendre. Plusieurs mois avant l'assassinat de Moïse, un certain Christian Emmanuel Sanon, un Américain d'origine haïtienne, qui ambitionne de devenir lui-même président du pays, passe par 4 compagnies privées de sécurité, dont une société vénézuélienne basée en Floride, pour recruter une trentaine de mercenaires et former un commando. Ils viennent essentiellement de la Colombie, mais on retrouve aussi quelques Américains d'origine haïtienne. Ils sont bien entraînés et hautement qualifiés pour le travail. Certains sont d'anciens militaires d'élite qui ont même été formés par le Pentagone. Pendant des mois, Sanon est sur le terrain pour régler tous les détails, les itinéraires, les moyens de transport, les plantes, les armes, les munitions, les alibis. Première étape, il faut faire entrer les mercenaires dans le pays. Il faut acheter les billets d'avion. 2 groupes séparés font le trajet à partir de Bogota, en Colombie, jusqu'à Santo Domingo, en République dominicaine. Ils traversent ensuite la frontière clandestinement vers Haïti. Certains arrivent aussi du Panama.
Évidemment, une fois sur place, les mercenaires empruntent une fausse identité. Avant, mais les bandeaux de sécurité sont absents, selon le témoignage d'une voisine. Le président est visiblement mal protégé. Le commando entre par la porte principale. Il progresse dans la maison, se rend dans la chambre de Moïse et la fusillade commence. Moïse est criblé d'une douzaine de balles de fusil d'assaut et meurt sur le coup. Sa femme est aussi atteinte et gravement blessée, mais elle s'en sort vivante. Leur fille réussit à se cacher alors que la maison est saccagée. Après l'assassinat, le commando sort de la maison. De siège dans le pays. L'aéroport international est fermé. La frontière part des États-Unis pour mener l'enquête. Et c'est un peu après que Christian Emmanuel Sanon est découvert et arrêté. Dans sa maison, trop de pièces à conviction l'incriminent. Une cassette. De la DEA, 20 boîtes de munitions, 4 pendant le polymère du PT à la communauté internationale qui attend impatiemment de connaître l'identité des coupables. Ça démontre l'efficacité de l'enquête et le sérieux de la démarche. Sanon serait donc le cerveau du coup.
nan eleksyon. E il te mande pou yo anule yo. E Pedro Castillo, pep Peru, li mande man Castillo ke yo te nomen apre yon gwo kriz institisyonel ki te fe ke nan un semen ou te wè 3 prezident pase lan tèt peyi Peru. Protéger la ville, responsable bureau médiateur des droits de l'homme au Guatemala, t'a dit c'est une espèce office de protection du citoyen, yo mené Juan Francisco Sandoval sous frontière PIA avec Salvador pour le moment, yo pas connaît exactement qui côté que l'y trouvait, mais décision procureur pour mettre Sandoval a te, se yon desisyon ki la koz an pil kritik ap pe de fet nan peyi a, gen menm manifestasyon ki rive fet, kritik tou nan peyi etranje, notabman os Etasuni, kote Departement d'Etat Amerikean, li menm ki konsidere Sandoval tankou yon champion nan lut kont la korupsyon, ebyen li kritike desisyon sa anpil, responsab Departement d'Etat pou les Amerik, Julie Chang, li kondanil lan ou tweet li fe, epi genyen des organizasyon humaniter, organizasyon ki nan sosyete sivil Guatemaltek lan, organizasyon patronal tou, un bon organizasyon de divers sektor yo kondane sa ki rive ya.
Sandoval te fait connaître que l'te rencontré en pile difficulté dans le travail que l'i t'a fait sous question corruption et d'après procureur général qui l'en tête li, il te fait connaître que l'i pas capable enquêter sous président pays Alejandro Giammattei si procureur général là lui-même l'i pas d'accord. C'est ça que Sandoval fait connaître. Samedi passé, Jean Dino gagnait environ 1000 moun qui étaient manifestés dans la rue Guatemala, qui fait solidarité avec Sandoval et y demandé pour président Giammattei démissionner, même Jean avec procureur général. C'est comme ça qu'on a fini magazine événement qui toujours traite actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Notre en chez États-Unis publié pour analyser assassinat Jovenel Moïse là ensemble avec conséquences politiques qui gagnent tandis que médias d'enquête dans Canada 7 jours sur la terre lui-même les développer une gros analyse. Sous contexte historique et politique qui entourait l'assassinat septoile avec le président de la gauche Pedro Castillo qui a pris le pouvoir, l'enjou Sayo, et puis dans Guatemala, procureur Juan Francisco Sandoval, obligé de quitter le pays après les fins de révocation. Il dit c'est pour sauver la ville, c'est un champion dans la lutte contre la corruption dans Guatemala, d'après ça, États-Unis souligné. Parmi sous, noté consul The Nation, RT France, et puis AFP. Merci pour attention. Nous continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org, à diverses plateformes internet. Comment nous y est? Comment nous y est? Mè